Salut à tous, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Comics et Hardcover, j'avais envie de vous parler d'un nouvel ennemi apparu dans le Batman Universe avec les New 52, la Cour des Hiboux. Ah, enfin un épisode sur Batman. Pas exactement, mais vous êtes qui au juste? Moi? Oh, t'occupe pas de moi, je suis juste ta conscience de grand fan de Batman, je suis juste là pour m'assurer que tu ne vas pas t'emporter ou même spoiler de façon abusivement ta chronique. Fais comme si j'étais pas là, pas de soucis. Ok, bon... Soit. Créé par Scott Snyder et mis en image principalement par Greg Capullo, je vous propose de nous intéresser de plus près à la saga concernant cet ennemi qui est paru en 2 tomes chez Urban Comics, aussi ensuite à la série spin-off qui a été publiée aux États-Unis à la fin de l'arc qui a compté 17 numéros appelés Talon, et enfin dans les 2 minutes en plus pour terminer, je vous présenterai le récit Les Portes de Gotham qui a été initialement publié par Urban dans le Batman Saga hors série numéro 1, mais qui sera réédité gratuitement au mois de mai pour les 48 heures de la BD. Du Batman gratuit? C'est par où? Ok, bon, je sens que ça va être long. Allez, on commence tout de suite avec la saga des hiboux en VF. Ce fameux arc de la saga des hiboux est donc publié en France, bien évidemment par Urban Comics. Le volume 1, intitulé La Cour des hiboux, contient les épisodes 1 à 7 de la série Batman. Le volume 2, baptisé La Nuit des hiboux, comprend lui les épisodes 8 à 12 de Batman, avec les backups 8, 9, 11, mais aussi l'annual numéro 1. Au scénario pour ce premier arc de Batman dans sa version New 52, on retrouve Scott Snyder, qui n'en est pas à son coup d'essai sur le Chevalier Noir, puisqu'il a déjà écrit à ce moment-là Sombre Reflet et Les Portes de Gotham. Au dessin, c'est principalement Greg Capullo, Raphaël Albuquerque se chargeant des backups, tandis que c'est Jason Fabok qui officie sur l'annual. Alors pour ce qui est du pitch, si jamais vous ne le connaissez pas, le voici. Après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman à la poursuite d'un mystérieux assassin aux allures de hibou, et dont la prochaine cible n'est autre que Bruce Wayne. Plus il progresse dans son enquête, plus le Chevalier Noir rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi, il découvre alors une sombre vérité mêlant la famille Wayne aux fondations troubles de Gotham City. Ça fait peur. Bon, tout de suite, premier point très important, l'histoire est super accessible. Comme je vous l'ai dit, il s'agit du premier arc de Batman dans sa version New 52, et avec son relaunch, DC voulait permettre aux nouveaux venus de prendre le train en marche, tout en conservant les lecteurs les plus assidus. Bah clairement, c'est une grosse réussite, puisque que vous soyez amateur de Batman depuis de nombreuses années, ou alors que vous en ayez seulement entendu parler, vous pouvez complètement vous lancer dans la lecture de cette saga, vous ne serez pas paumé du tout. Le côté renouveau est tout de suite mis en place, puisque le récit s'ouvre sur Batman qui intervient pour une mutinerie à Arkham. On croise donc la route de têtes connues et on a une vraie sensation de maîtrise de la part du Chevalier Noir, ce qui, je trouve, renforce la sensation inverse que l'on va avoir en avançant dans le récit. Ah oui, tiens, d'ailleurs, à ce sujet, j'ai 2 remarques. D'abord, on nous présente des personnages a priori connus. Ok, très bien, pas de souci. Le sumo à une main, c'est qui? Je sais pas. Et puis après, il y a Black Mask. Oui, Black Mask. Est-ce que les coloristes se foutraient pas un petit peu de notre gueule? Parce que le mec s'appelle Black Mask et il y a une raison. Et je crois pas que ce soit parce qu'il porte un masque blanc, hein. Enfin, je dis ça... Faut savoir que dans son écriture de Batman, Scott Snyder a toujours déclaré vouloir faire de Gotham City un personnage à part entière. On remarque du coup assez vite, ne serait-ce qu'en lisant le pitch, que cette saga va placer Gotham City et aussi Bruce Wayne au centre de l'intrigue. Tout au long du récit, on va apprendre de nouvelles choses sur le passé de la famille Wayne et sur Gotham. Le volume 1 sert à mettre en place le cadre, et honnêtement, ces révélations, le développement de l'intrigue, l'apparition de ce nouvel ennemi, cette facette de Gotham qu'on ne connaissait pas, c'est vraiment très bien écrit et complètement maîtrisé par Snyder. La psychologie de Batman aussi, y compris celle de son alter ego Bruce Wayne, qui se fait quand même pas mal secouer dans cette saga. On a dit pas de spoiler. Ok, je m'arrête là. Par contre, je voulais savoir une chose. On sait que Batman Bruce Wayne est quelqu'un de très méfiant. Bah ouais, le mec va quand même jusqu'à prévoir un plan de secours pour mettre hors service tous ses coéquipiers de la Justice League, et ça juste au cas où il deviendrait hors de contrôle, vous voyez le genre quoi. Dans les premières pages du récit, on apprend qu'il met au point un système de lentilles de contact relié en permanence au bat-ordinateur. Oui, vraiment. Et du coup, en page 21, on trouve ça. Les 3 Robin garçons, avec leurs différents alias actuels, mais surtout, regardez bien leur niveau d'accessibilité, 9,5 sur 10. Alors moi, j'ai 2 questions. La première, c'est que le mec est tellement parano que même vis-à-vis de ses propres fils, puisque adoptif ou naturel, les 3 sont ses fils, il reste méfiant. Sérieux?
Et la deuxième, c'est quoi ces 0,5 d'abord? C'est la permission de démarrer la Batmobile tout seul? Ou alors c'est peut-être l'accès à YouPorn depuis le Bat-ordinateur? Enfin, on notera quand même qu'Alfred, lui, il a 10 sur 10. Hein. Ah, donc c'est peut-être pas l'accès... À moins que... Oh, vous êtes vraiment dégueulasse! Les backups proposés par Snyder dans le volume 2 nous racontent le point de vue de Jarvis Pennyworth, le papa d'Alfred, sur des événements passés et servent à mettre en place les dernières pièces du puzzle. Là encore, grosse réussite pour Snyder et son équipe. Au niveau du dessin, c'est simple, c'est juste magnifique. Capullo et Albuquerque livrent des planches somptueuses. Je trouve qu'on a un découpage qui est très cinématographique, ce qui du coup va renforcer d'autant plus l'immersion dans le récit. Et alors le Gotham City de Capullo est juste hallucinant. Tout comme d'ailleurs d'autres éléments du récit, mais ça, je vous laisse le découvrir. Ah bah tu vois quand tu veux, là c'est bien. L'annuel dessiné par Jason Fabok est lui aussi visuellement très beau. Snyder propose ici une redéfinition des origines de Mr. Freeze, et j'avoue que même si j'étais un peu sceptique au départ, j'ai fini le récit complètement conquis parce que le dessinateur et le scénariste ont fait de ce personnage. Mais, parce que oui, vous commencez à me connaître, il y a très souvent un mais, tout n'est pas rose non plus, et ça il faut bien l'admettre. Autant le volume 1 met en place le cadre et fait monter la pression de façon très forte et très réussie, autant le volume 2, qui voit l'apogée de l'arc et sa conclusion, ben, m'ont semblé malgré tout un peu même trop rapide. Des twists scénaristiques, des raccourcis un peu trop faciles, m'ont au final, je dirais, laissé sur ma faim. Même si c'est un bon point de ne pas en avoir assez, j'aime pas finir un arc en ayant autant de questions sans réponse. Autre bémol et point un peu frustrant, il s'agit du backup de Batman numéro 8. Il faut savoir qu'à l'époque de sa publication, cet arc a engendré un crossover entre différents titres de la Bat-Family, et c'est ce backup, intitulé « L'appel aux armes », qui sert d'introduction à ce crossover. Batman demandant à Alfred de prévenir tous les membres de la Bat-Family de la nouvelle menace qui pèse sur Gotham City. Oui, mais comme il s'agit de l'édition de la série Batman, eh bien vous ne trouverez malheureusement aucune trace de ce crossover, mais surtout, et c'est là que c'est dommage, aucune indication sur quels titres lire ou quels épisodes. Alors sachez cependant que lors de sa publication dans le mensuel presse Batman Saga 9 et 10, Urban a quand même proposé quelques épisodes de ce crossover, notamment Detective Comics, Nightwing, Batgirl et Batman & Robin. Certains épisodes par contre restent uniquement publiés en VO, Batwing, Redwood and the Outlaws et Birds of Prey. Et puis j'aurais préféré que la publication s'arrête après l'annuel de Fabok, parce que franchement, l'épisode 12 de Batman ne restera pas pour moi dans les annales. Visuellement, la concurrence est très rude, c'est certain, mais ce que proposent Becky Cloonan et Andy Clark est très en dessous de ce qui nous est présenté avant. Et puis hormis le fait d'introduire le personnage d'Harper Row, je vois pas grande utilité à cet épisode. Bon, malgré ces quelques petits bémols, la saga des hiboux de Snyder vaut très clairement le détour. C'est un super point d'entrée si vous avez jamais lu de Batman, sachant que les lecteurs les plus avertis, à mon avis, préféreront se focaliser sur la réussite scénaristique de cet arc, la première partie, à savoir l'introduction d'un nouvel ennemi avec son histoire, un Batman qui passe par tous les états, et puis surtout, les révélations sur la famille Wayne et sur Gotham City, qui ont donc a priori pas fini de dévoiler tout leur mystère. Ah putain, si avec ça, ça vous a pas donné envie de le lire, perso, d'autant qu'en plus, là, il ressort le 9 mai en noir et blanc, moi, j'y vais direct. Bonne idée, et puis prends bien ton temps, surtout. Hein. Allez, nous, on enchaîne avec la VO du jour. En septembre 2012, la saga des hiboux touche à sa fin aux États-Unis et DC Comics demande alors à Scott Snyder un projet pour continuer à exploiter l'histoire de la cour des hiboux. À ce moment-là, on est dans le Zero Month pour l'éditeur. C'est le mois où chaque série a vu son numéro 0 sortir, numéro qui, en gros, présente rapidement les origines du personnage principal de la série. Effectivement, moment assez opportun pour lancer une nouvelle série. Et c'est via James Tynion, quatrième du nom, pas de vanne sur le nom, que Scott Snyder va présenter le personnage et le concept de Talon, ancien assassin ou ergo, au service de la cour des hiboux, mais surtout, seule personne qui aurait ensuite réussi à s'enfuir. J'ai donc choisi aujourd'hui en comics VO le volume 1 de Talon intitulé Scourge of the Owls, le fléau des hiboux, écrit par Scott Snyder et James Tynion, quatrième du nom, illustré par Guillaume Marsh. Ce premier volume contenant les épisodes 0 à 7 de la série. Bon, ma principale crainte avant d'entamer la lecture de ce comics, en fait, c'était de trouver un personnage
principal sans vrai caractère propre, espèce de copie mixée entre Batman et un ergot. Alors du coup, la surprise en a été que meilleure, parce que très clairement, le premier chapitre, qui correspond au numéro 0 de la série, a fait voler en éclats cette appréhension. En fait, les deux premiers chapitres mettent en place le cadre, et tout de suite les choses sont très claires. Gotham City servira de toile de fond, mais l'intrigue et les événements vont bien être centrés uniquement autour de notre héros malgré lui et de la cour des hiboux. Calvin Rose, de son petit nom, est un ancien artiste de cirque dont la spécialité est l'évasion, recruté par la cour des hiboux qui va le former et faire de lui une véritable machine à tuer à leur service appelée Ergo, Talon en VO, sauf que lors de sa première véritable mission, Calvin va faire le choix de s'enfuir. On remercie le responsable du recrutement de la cour des hiboux. Et suite aux événements survenus dans la nuit des hiboux, Calvin décide de revenir à Gotham City afin de s'assurer que ses poursuivants aient bien disparu pour de bon. Alors cette série est tout simplement un régal. Dès les premières pages, on comprend qu'on a une série qui est tournée vers l'action et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on est servi. On a un scénario super dynamique, assez peu de temps mort au final, on débouche sur un cliff de fin de dingue, avec au passage un twist scénaristique assez astucieux. L'écriture des personnages et le chara-design, là encore, réussi. On s'attache très vite à Calvin et à son côté justement humain. La thématique de l'évasion étant une constante dans la série, en parfaite relation du coup avec la façon de penser du personnage. Espèce de fil rouge psychologique super original et très bien écrit. A l'inverse, le méchant est monstrueux, mais alors dans tous les sens du terme. Félix Harmon, alias le boucher de Gotham, un ancien ergot tellement fêlé que les membres même de la cour ont décidé de l'enfermer dans un tombeau secret pendant 160 ans. Le mec tuait non seulement les cibles désignées, mais aussi d'autres personnes pour le fun, voire même des membres de la cour des hiboux. Ouais ouais, rien que ça. Gabarit hors norme, bien évidemment immortel et surpuissant, et en plus, surtout, loin d'être con. Du coup, à chaque fois qu'il rentre en scène, on se dit que les mecs en face vont prendre, mais alors très 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 cher. Lors de son réveil, par exemple, les membres de la cour lui demandent « Vous aimeriez tuer à nouveau ?» Et alors lui, il répond normal, le sourire aux lèvres « Comment pourrais-je refuser ?» Complètement fêlé. La série amène encore plus loin la mythologie de la cour des hiboux avec de nombreuses révélations vraiment très réussies. Bien sûr, comme les événements se déroulent à Gotham City, on a forcément droit à un caméo avec Batman, mais là encore, c'est très bien fait. On se surprend même à sourire lors de l'apparition du Chevalier Noir. Et visuellement, le travail de Guillaume March est juste impeccable. On a un découpage qui sert très très bien le récit, des personnages hauts en couleur et superbement retranscrits. Je me suis même surpris à être bluffé par certains arrière-plans et certains décors. C'est dire. En fait, j'aurais que deux bémols sur ce volume 1 de Talon. Le premier, visuellement, concerne le chapitre dessiné par Juan José Rip. Alors, c'est subjectif, bien sûr, mais je trouve que ce dessinateur retranscrit les visages de façon trop botoxée, regardez. Donc du coup, pour moi, ça flingue clairement toutes les expressions, voire même des fois, ça rend complètement difforme. Ah, c'est vraiment dommage, quand même. Et le deuxième concerne ce fil conducteur qui est la thématique de l'évasion. Parce qu'il y a plusieurs reprises, je trouve que le héros a quand même la fâcheuse manie de se sortir de la merde par une pirouette scénaristique qui est un peu trop facile. Par exemple, lors d'un combat, Calvin est quasiment battu, et au moment de porter le coup de grâce, on a droit à un « Eh non, en fait ça fait 3 heures que je suis dans le bâtiment, j'ai posé des bombes partout, et bam, l'explosion lui permet de se sauver. » Le mec est dans le bâtiment que depuis 4 pages, elles sont où les 3 heures? Donc moi forcément, quand je lis ça, ben, j'entends ça. Mais en plus, quand j'y pense... Mais c'est bien sûr! Bref, vous l'aurez compris, pour moi, Talon est une super série, un véritable coup de cœur, dynamique, bourré d'action, on approfondit le concept de la cour des hiboux et de leur histoire. Si vous avez aimé la saga des hiboux dans Batman, vous pouvez vous jeter dessus les yeux fermés. Pour les autres, c'est l'occasion de découvrir un anti-héros qui, malgré quelques facilités scénaristiques, reste bien écrit et surtout très bien dessiné. En gros, à ne pas rater. Allez, on termine avec les 2 minutes en plus. «
Dans ces 2 minutes en plus aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du comics Les Portes de Gotham, et ce principalement pour deux raisons. Déjà d'une, parce que c'est très bon, on a une mini-série en 5 chapitres scénarisée par Scott Snyder et Kyle Higgins, qui nous présente avant les New 52 la ville de Gotham City, et qui ramène au premier plan les 3 familles fondatrices de la ville, les Wayne, les Elliot et les Cobblepot. C'est Dick Grayson sous le manteau de Batman avec ses appréhensions et ses doutes, là aussi super bien retranscrit par les scénaristes. On a les apparitions des principaux membres de la Bat-Family, les flashbacks dans le passé qui aident à faire évoluer l'enquête et qui renforcent vraiment ce sentiment de découverte des origines de la ville. Visuellement, même si ça peut en surprendre quelques-uns parmi vous, je vous invite vraiment à vous plonger dans le récit parce que ça vaut le coup et ça met d'autant plus de ça en place certaines choses qu'on retrouvera dans le Batverse des New 52. Et deuxièmement, vous le voyez, ce récit avait initialement été publié par Urban dans le Batman Saga hors série numéro 1. Et bien sachez que la maison d'édition a fait le choix de le rééditer et de le mettre à disposition gratuitement pour les 48 heures de la BD qui auront lieu le 16 et le 17 mai prochain. Je vous invite donc à faire une recherche internet pour avoir un petit peu plus de détails sur ce festival, parce que à ce prix-là, très honnêtement, si vous ne le possédez pas dans votre bibliothèque, vous auriez bien tort de vous en priver.